Professor Major, è il grande anniversario. 30 anni fa, la sua scoperta, il primo pianeta extrasolare. C'est incroyable ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années. Des milliers de systèmes planétaires ont été découverts. Pour moi, c'est un émerveillement chaque jour, parce que chaque fois, des objets différents. Incroyable, une diversité fabuleuse. Et puis aussi, ça me permet de rencontrer tellement de personnes dans le monde. J'ai des amis à Turin, ailleurs et tout. C'est merveilleux. Michel Major, astrofisico, Università di Ginevra. Premio Nobel per la fisica. Oggi lo chiamano cacciatore di mondi. Con colleghi francesi aveva inventato uno spettrografo per misurare per vari scopi la velocità delle stelle. Erano gli anni 70, poi alla fine degli anni 80, l'osservatorio della Haute-Provence gliene chiese uno più preciso. Lei può raccontarci la storia della scoperta del primo pianeta extrasolare? Quando on met l'instrument en marche, tout d'un coup, il était beaucoup plus précis que ce qu'on attendait. C'était tout d'un coup un saut d'un facteur 30 par rapport à la précision qu'on avait avant. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chercher des planètes et des naines brunes. Des naines brunes, c'est des toutes petites étoiles avortées. Et donc, on a commencé le programme avec ce nouvel instrument, déjà en 1994. Et très peu de temps après, quelques mois après, on avait la première planète. La scoperta epocale è avvenuta scrutando la costellazione di Pegaso. A regalarci il primo pianeta extrasolare è stata la stella 51 Pegasi. Secondo la convenzione, il primo pianeta porta la lettera B, dunque 51 Pegasi B. Oggi sappiamo che quasi tutte le stelle hanno uno o più pianeti e si nominano con le altre lettere dell'alfabeto. Attenzione, le immagini che vedete sono di fantasia. La foto di un pianeta alieno non esiste ancora. Ma torniamo a 51 Pegasi. Il primo pianeta della storia che le gira intorno è enorme. Perché aveva scelto proprio quella stella? On n'avait pas choisi du tout. No. On avait sélectionné 142 étoiles comme le Soleil que l'on savait ne pas avoir de compagnons. C'est des étoiles simples, comme ça. Et on a commencé systématiquement. On mesure la vitesse de cette étoile, on mesure la vitesse d'une autre, etc., etc., etc. Et le jour après, on recommence, on mesure la vitesse. Et une semaine après, on continue, etc. Et puis un mois après, et puis deux mois après, etc. Et à la fin, tout d'un coup, on voit que plusieurs étoiles n'avaient pas de variation de vitesse. Et il y en avait une qui avait une variation qui était périodique. Donc on se dit « merveille ». Mais il y avait un énorme problème, c'est que la période était de 4,2 jours, ouais. Alors qu'on attendait des planètes géantes avec des périodes de plus de 10 ans. C'est un facteur, un désaccord d'un facteur 1000 avec la théorie, on se dit, on ne veut pas se ridiculiser, on doit faire un peu attention. Et à ce moment-là, on a attendu plusieurs mois, l'année d'après, quand l'étoile est réapparue dans le ciel, on a remesuré. C'était la même période, la même amplitude, la même phase. On a dit, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Seulement un corps qui tourne autour. Et à ce moment-là, les lois de Kepler, on a la masse, on a la forme de la planète, de l'orbite, etc. Un gigante, grande la metà di Giove, vicinissimo alla sua stella, tanto che il suo anno dura appunto poco più di 4 giorni, bollente, oltre 1000 gradi. Immagino la felicità assoluta. Oui, à ce moment-là, quand on a retrouvé une année après les phénomènes qu'on avait observés avant, on a festoyé, on était en Provence en juillet 95, donc c'était agréable et tout, c'était le moment de festoyer. Esistono altri pianeti intorno ad altri soli, il mondo l'ha saputo ad ottobre del 1995 al congresso di astronomia di Firenze. Michel Major e il suo assistente Didier Queloz avevano presentato la ricerca alla rivista scientifica Nature, ma la revisione dei dati tardava. Stop, nessuna comunicazione era permessa. E là on m'a dit attention, vous n'avez pas le droit d'en parler aux journalistes, les lois d'embargo, etc. Mais vous avez le droit d'en parler à des collègues. Florence, c'était des collègues. Et donc,
c'est l'occasion où ça s'est passé, mais le bruit s'était répandu et il y avait déjà la télévision, les journalistes dans la salle et tout. Et comment dire, et c'était un grand moment parce qu'il y avait 300 astronomes, collègues, venant de tous les pays du monde, intéressés par les étoiles, un peu comme le soleil. Et donc c'était merveilleux. Alors c'était déjà le premier contact avec nos collègues. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Il Nobel per la fisica arriverà solo nel 2019, quasi un quarto di secolo dopo, ma è arrivato. Major, nel suo discorso a Stoccolma, ricorda che da Epicuro in poi tanti pensatori dell'antichità erano convinti dell'esistenza di altri mondi, infiniti mondi, come diceva Giordano Bruno, che venne bruciato dall'Inquisizione nel febbraio del 1600 in Campo dei Fiori a Roma. Questo è tipicamente quello che possiamo vedere. So, million of stars. Lei ha iniziato un nuovo tipo di astronomia. Si aujourd'hui on regarde le nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est incroyable. Ouais. Qui aurait pensé à ça? Il faut se rappeler que il y a 30 ans, bon, c'était pas du tout un domaine qui était de prioritaire en astronomie. Il y avait 4 groupes de 2 personnes à l'échelle mondiale, rien du tout, rien du tout. Et maintenant, c'est des milliers de personnes comme ça. Et quand on voit les résultats, les satellites qui sont envoyés et tout, c'est un vrai plaisir. E adesso il passo successivo è andare a caccia di segnali di vita nei pianeti che vengono man mano confermati dalle misurazioni. Scoperti con il sistema di Major, vedendo cioè gli effetti gravitazionali sulle stelle, oppure con il metodo dei transiti. Il passaggio d'un pianeta davanti alla luce di quel sole ne fa diminuire periodicamente la luminosità. Sono circa 6.000 catalogati finora, ma là fuori sono miliardi, centinaia di miliardi. Si cercano pianeti rocciosi simili alla Terra nella cosiddetta zona abitabile, ad una distanza dal loro sole che permetta l'esistenza di acqua in superficie, non troppo caldi e non gelati. È uno zoo di pianeti che non assomigliano al nostro sistema solare, orbite strane, mondi di lava, pianeti oceano. Migliaia di astrobiologi, fisici, geologi e chimici sono al lavoro. Un'attività biologica sul pianeta produce certe sostanze chimiche che vanno in atmosfera, dall'anidride carbonica al metano all'ossigeno. Ma quali forme di vita possono esistere? Quando un pianeta passa davanti alla sua stella, la luce filtra l'atmosfera. Momento magico per leggere gli elementi che la compongono. Per Michel Major non bisogna essere troppo ottimisti, ci vorranno anni. Ma attualmente dei grandi telescopi, il telescopio europeo che si costruisce au Chili, 39 metri di diametro, immaginate, è molto più grande che tutto ce qu'on a ici, il miroir principale. Il y a le James Webb Telescope en orbite, etc. On m'a dit que le tiers du temps du télescope du James Webb est dédié à l'étude et à la recherche des exoplanètes. Qui aurait pensé ça il y a 30 ans? Incroyable. Lei pensa che ci sia della vita? Glielo chiedono tutti, vero? C'est une question, on peut répondre de deux manières. Ouais. D'une manière scientifique, ouais. Je n'en sais rien, on fait des expériences, on regarde. Ça, c'est la réponse scientifique. Puis après, il y a le sentiment personnel qui n'est pas indépendamment d'être scientifique. Oui, je pense qu'il y a de la vie ailleurs. Alors, quand je dis de la vie ailleurs, ça ne veut pas dire de la vie comme vous et moi. Ça, comment dire, un unicellulaire, une bactérie, c'est déjà la vie. Donc, il faut être ouvert à ce que les formes de vie soient en tout cas très différentes de ce qu'on a ici. C'è una domanda che non le fanno mai, ma le piacerebbe dire qualche cosa così. Non, on me demande, comment dire, quelle est l'occupation de ma vie actuellement. Okay. Je dirais que l'astronomie reste encore une part importante de ma vie. Oui. Bah, c'est tellement passionnant. C'est dommage de s'arrêter. Je vous remercie, Monsieur Major. Merci. Merci. Avec. Merci. Dans un beau. Merci. Grazie. Grazie. Une photo. Mais je vous donne ça ou non, pas? Non, d'accord. Non. Okay.